Amis téléspectateurs de Code 243, bonsoir. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, son Excellence M. Herman Cohen, sur ce plateau, afin que nous puissions déviser sur la situation qui prévaut en Afrique et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs, en RDC. M. Herman Cohen, bonsoir. Bonsoir. C'est pour nous un privilège, chers téléspectateurs, de recevoir une éminente personnalité qui a travaillé dans l'administration ici aux États-Unis, mais qui a également été en Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Et je crois que vous y avez vécu pendant quelques années. Oui, j'ai passé 3 ans là-bas, sous le régime du président Mobutu. Pourrais-je me permettre de vous dire Mbote? Mbote, Ozali. Nazali Mana. Voilà pour vous confirmer que son Excellence, M. Herman Cohen, a été chez nous en RDC, et qu'il connaît notre peuple, et qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, à nous expliquer, et surtout à cette jeunesse, ceux qui ne l'ont pas connu, et même ceux qui l'ont connu. Il va nous donner des pistes de son analyse, de son expérience sur les problèmes qui prévalent en Afrique. Monsieur Herman Cohen, Excellence, je voudrais avant toute chose parler de ce qui se passe de nos jours. Depuis la fin 2010, il y a un mouvement de révolution qui souffle, un vent de révolution souffle en Afrique. Il a commencé en Tunisie, il a continué cheminer en Égypte. Maintenant, on nous parle de la Libye, du Yémen, du Bahreïn. Est-ce un mode de remplacement des autorités par rapport au mode que nous connaissions, qui sont les élections, qui prend pied en Afrique, ou bien est-ce simplement une situation de, excusez-moi du terme, de ras-le-bol de la population? Quelle est votre vision? Oui, comme vous savez, il n'y a pas d'élection vraiment transparente et libre dans tous ces pays. Le président sortant gagne toujours. Il n'y a pas de risque qu'il va perdre. Et le problème dans tous ces pays, ce que j'appelle la révolution des espérances grandissante. C'est la même chose en France dans le 18e siècle, aux États-Unis dans le 18e siècle. Vous avez une bourgeoisie, surtout une jeunesse dans la bourgeoisie, qui voit l'avenir bloqué. C'est-à-dire qu'ils ont une éducation, ils ont des parents avec un peu d'argent, mais pour eux, c'est tout bloqué parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de carrière. Et ces gens-là sont intelligents, ils ont de l'éducation, donc ils ont le ras-le-bol finalement. Et ils font des manifestations, et c'est-à-dire il y a beaucoup de gens comme ça dans cette situation, dans tous ces pays, et ils en ont assez. Et ça va continuer, j'espère, je crois. Ça va continuer, mais plus près de nous, nous voyons les dernières images, les dernières 48 heures, il y a eu... je ne vais pas appeler ça massacre, au Bahreïn, ou devant les caméras, certains manifestants ont été tués. L'administration américaine, par rapport à cela, nous n'avons pas entendu une réaction officielle. Qu'en est-il? Oh, je crois que quand même, Mme Clinton a condamné la violence dans tous ces pays-là, et elle a prêché... modération, dialogue. Mais c'est difficile à condamner un gouvernement qui est ami, n'est-ce pas, qui est ami depuis longtemps. Par exemple, à Bahreïn, nous avons le quartier général de notre 5e flotte. Ça, c'est très important. Donc, il y a un équilibre, il y a ce qui est difficile. Mais quand même, ils ont condamné la violence partout, je crois. Comme vous le dites dans le cas du Bahreïn, je sens pas un passage pour nos téléspectateurs, étant donné qu'il y a cette présence, qu'il y a de cette base, ne croyez-vous pas qu'un changement inopiné, non voulu, pourrait amener une nouvelle situation, ou peut-être mettre en péril la présence américaine? Y a-t-il une main derrière ce qui se passe au Bahreïn? Oh, absolument. Si le régime est remplacé par un régime populaire, c'est fort possible que tout va changer parce qu'il y a la question de Palestine et la politique américaine envers Israël.
La révolution ne s'arrête pas à la frontière, ça continue dans les politiques étrangères, bien sûr. Vous l'avez entendu, les révolutions continuent même dans les politiques étrangères. Et je voudrais toujours enchaîner pour voir un peu avec un processus qui est toujours démocratique, celui-là, un processus des élections. La Côte d'Ivoire. Tout récemment, il y a 2 mois, ils étaient en élection, un résultat est sorti. La communauté internationale a déclaré ou s'est rangée derrière l'un des deux participants, qui est M. Alassane Ouattara. M. Gbagbo, lui, se dit qu'il y a eu grande tricherie. Ça, c'est... Qu'en pensez-vous? Ou bien, comment sortir de cette crise? Parce que c'est une crise réelle. Il y a des vies humaines qui sont liées à ce problème-là. Quel est votre point de vue? À mon avis, c'est comme dans tous les pays du monde, la démocratie ne vient pas tout de suite. C'est une évolution. Même chez nous aux États-Unis, il y a 200 ans, la démocratie n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et en Afrique, ils sont dans un stade qui commence vraiment. Et il y a la loi Cohen que j'ai fabriquée, qu'en Afrique, un président sortant dans une élection, s'il ne veut pas perdre, il ne peut pas perdre, n'est-ce pas? Combien de pays est-ce que le président sortant accepte le risque de perdre? Combien de pays en Afrique? Il y a le Bénin, il y a le Ghana, et je crois que c'est tout, n'est-ce pas? Et il y avait même des pays avec, dans la Constitution, un mandat de un limite à 2 mandats, n'est-ce pas? Mais combien de présidents ont changé la Constitution pour autoriser un troisième ou quatrième mandat? En Ouganda, par exemple, maintenant. Donc, c'est difficile dans l'état actuel de la démocratie pour un président sortant de perdre s'il ne veut pas vraiment perdre. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait ça maladroitement, n'est-ce pas? C'est la tricherie que Gbagbo a fait vraiment transparent, il n'y a pas de doute. Il ne fallait pas demander à l'ONU de contrôler les élections. Et aussi, je crois que Gbagbo a pensé qu'il était très populaire, qu'il devait gagner, n'est-ce pas? Mais il avait un plan B, c'est-à-dire s'il perdait, d'avoir la cour constitutionnelle, de fabriquer une raison qu'il gagne. Donc c'est difficile. Mais Gbagbo a signé un accord que si l'ONU va décider, n'est-ce pas? Donc, les autres Africains n'ont pas de choix. Il faut serrer. Et le seul moyen, c'est pas le moyen financier, n'est-ce pas? Faire la guerre, c'est mauvais. Il faut pas faire la guerre parce qu'il y aura trop de morts. Il y a beaucoup d'otages à Abidjan, les gens de Burkina, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont plus qu'un million de gens à Abidjan qui sont des étrangers, ils sont des otages. Exactement. Il ne faut pas faire la guerre, mais ils vont faire les sanctions économiques qui risquent de gagner. Mais ne croyez-vous pas que dans un sursaut d'orgueil, aujourd'hui, Gbagbo, comme il contrôle l'armée, avec son général lieutenant Blégoudé, peut pousser le peuple à une tentative, je peux dire, de suicidaire, de marcher vers l'hôtel du Golfe? C'est pas impossible parce que président Gbagbo et son épouse sont un peu des fanatiques de religion. Et si vous voyez la propagande des évangiles aux États-Unis qui soutiennent Gbagbo, et vous demandez pourquoi vous soutenez Gbagbo, il a perdu l'élection, ils ont dit Gbagbo est un chrétien, Ouattara est un musulman. C'est pas la peine de parler plus, n'est-ce pas? Donc il y a un fanatisme religieux dans la famille Gbagbo qui est très dangereux, je crois. Je veux me risquer pour clore ce problème de la Côte d'Ivoire. Ne croyez-vous pas qu'à cause de ce clivage, de cette division, de ce problème qui en fait qui a un soubassement religieux, qui a également un soubassement d'appartenance au pays,
pourrait amener dans une décennie ou deux une partition de la Côte d'Ivoire. Oh, c'est déjà fait. Il y a le Nord est contrôlé par les rebelles, les jeunes patriotes, j'ai oublié le nom, qui sont des gens musulmans, et le Sud est contrôlé par le gouvernement de Bagbo. Mais à mon avis, ce n'est pas une question de religion vraiment, c'est une question ethnique. La France a commencé toutes ces grandes plantations de cacao et de café. Et vous savez, la Côte d'Ivoire est maintenant le plus grand producteur de cacao dans le monde. Je crois qu'ils produisent à peu près 60% de cacao. C'est formidable ça. Mais comment travailler les plantations? La France et après Houphouët Boigny, le premier président, ont fait venir des ouvriers des pays au nord, surtout Burkina Faso, Niger, Mali, et toute cette richesse de la Côte d'Ivoire a été produite par les étrangers. Bon, maintenant, nous sommes dans la troisième, quatrième génération des étrangers qui ne sont plus étrangers, ils sont ivoiriens maintenant. Ils ont des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et ces gens disent, nous sommes des Ivoiriens comme tout le monde, nous demandons nos droits de voter et tout ça. Et j'ai peur, je crois que peut-être ils sont en majorité maintenant. Et aussi les gens, et la politique des gens du Sud, les gens qui n'aiment pas Gbagbo, parce qu'il n'est pas dans la grande majorité ethnique des Akan, il vient d'une petite tribu. Donc c'est plutôt une question ethnique, et les gens d'Abidjan, les gens du Sud disent, nous sommes envahis par les gens de Burkina et tout ça. Ils veulent prendre notre pays et faire du changement, ils vont détruire notre culture et tout ça. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question ethnique maintenant. Question d'ethnicité. Chers spectateurs, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons ce soir l'ambassadeur Herman Cohen, qui était l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines de l'administration Bush-Père. Et ce soir, il est notre invité afin que nous puissions ensemble discuter de la problématique en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Soudan, je m'approche et je voudrais lire une de vos cotations. Vous avez déclaré que le président Omar el-Béchir était sincère lorsqu'il a dit qu'il allait appliquer toutes les résolutions qui allaient émaner en fait du référendum. Et que si la volonté du peuple était celle de voir le Sud devenir indépendant, il allait souscrire à cela. Mais cependant, je voudrais comprendre et vous rajouter ceci, qu'il est conscient que la sécession est inévitable et que ce serait pour lui un moyen de préserver ses chances pour mieux négocier. Faisiez-vous allusion au mandat d'arrêt qui est lancé contre lui par la Cour pénale internationale ou à autre chose? Ça, c'est un élément, parce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui contrôle la question de la haie. Est-ce qu'il sera jugé ou pas? Et chaque année, le Conseil de sécurité repousse le moment de jugement parce qu'on a besoin de lui pour des négociations. Et bien sûr, il ne veut pas aller à la haie. Donc, c'était important pour le Nord de négocier parce qu'il y a des problèmes très sérieux là. C'est-à-dire comment partager le pétrole, n'est-ce pas? Comment transporter le pétrole qui est sur les deux côtés? La question de nationalité, les questions de mouvement des gens à travers les frontières, parce que les gens ont l'habitude de passer sans problème. Maintenant, ils vont voir le poste de contrôle et tout ça. Tout ça est dans son intérêt de négocier un résultat qui fait des bénéfices pour les deux côtés, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas le choix, il doit négocier. Mais croyez-vous que le fait qu'il ait accepté, en fait, la volonté du peuple pourrait faire de lui
pourrait l'aider éventuellement par rapport à ce mandat. Le mandat de... De la Cour pénale internationale. Oui, ça peut l'aider. Oui. Parce que déjà, les États-Unis ont enlevé les sanctions. Non, ils n'ont pas enlevé les sanctions. Ils ont dit que vous n'êtes plus un pays terroriste. Vous ne soutenez plus les terroristes. Donc, ça, c'est un pas en avant pour lui. Oui. Pour le chapitre de la tant qu'on y est de à la Cour pénale internationale, je voudrais un peu revenir sur M. Jean-Pierre Bemba, qui, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel. Sous quel angle on voit la chose, croupit à la Cour pénale internationale, alors que celui qui l'avait aidé à l'époque, M. Ange-Félix Patassé, vient de participer aux élections, et plus grave encore, plus grave selon certains, il a été amnistié de tous les actes qu'il aurait commis. Mais nous voyons que Jean-Pierre Bemba, concernant la République démocratique du Congo, est à la Cour pénale. Bosco Ntaganda a été levé général dans les rangs de l'armée congolaise, et tout récemment, je crois à peine une semaine, il y a 5 millions de dollars qui ont été saisis sur un trafic illicite à l'est du Congo. Et plus loin encore, en dehors de Bosco Ntaganda, il y a Kunda Batoré, le général, qui se promène à Kigali. Y a-t-il une politique de deux poids deux mesures? Parce que certains ont la peuvent se promener librement, d'autres peuvent négocier, et pendant que d'autres se sont retrouvés en prison, au cas de Jean-Pierre Bemba, qui a quand même eu 42% des élections, qui a été voté à 42% en 2006. Quel est votre point de vue? Oui, c'est très dommage à mon avis, parce que je suis allé assez souvent à Kinshasa pendant la période, je crois que c'était 4 plus 1, n'est-ce pas? Il y avait 4... Quatre vice-présidents avec le président Kabila. Je suis allé faire des affaires, pas pour des raisons politiques, mais j'ai rencontré tous les quatre vice-présidents et avec des hommes d'affaires américains. Et j'ai trouvé Bemba très sérieux, très capable. Et je crois qu'il a beaucoup à contribuer au Congo, soit comme président, soit comme ministre. Le Congo a besoin de gens comme lui. Mon avis. Et surtout, il a un sens des affaires, l'économie, etc. Donc, c'est très dommage qu'il est dans cette situation. Et surtout, quand le gouvernement de la République centrafricaine a pardonné tout le monde. Mais une fois que vous êtes attrapé dans ce système judiciaire international sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, d'ailleurs, l'Amérique n'a jamais signé ce traité-là. Et maintenant, c'est surtout des Africains qui sont dans ces situations. À mon avis, et aussi, Bemba n'a pas donné l'ordre à ses troupes de faire des atrocités. Les gens, ces soldats n'étaient pas formés. Ils n'avaient pas un entraînement, n'est-ce pas? Donc, j'espère que la Cour va montrer un peu de compréhension dans cette affaire. Mais qu'est-ce qu'il mettrait lui en échange là où il est aujourd'hui? En échange, qu'est-ce qu'il pourrait amener à la communauté internationale? Parce que pour beaucoup de Congolais, l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, elle est politique. On a l'impression qu'il fallait l'évacuer du territoire congolais pour laisser la place à Joseph Kabila de faire un travail. On craignait que la présence de Jean-Pierre avec son armée ou ce que d'autres appelaient milices n'entrave la bonne marche de la République sous Joseph Kabila. Qu'en pensez-vous? Oui, ça c'est un élément sans doute. Je crois que, par exemple, si Kabila a fait appel à la cour de la Haye, pour dire c'est un fils de notre pays, il y avait la guerre intérieure, une guerre civile, je suis prêt à pardonner. Je crois que ça peut faire un grand impact, mais je crois que Kabila ne va pas le faire. Il a un intérêt que Bemba reste dehors, n'est-ce pas? Il a un intérêt que Bemba reste dehors. Chers téléspectateurs, nous allons rentrer de plein pied aujourd'hui avec son Excellence Monsieur Herman Cohen en RDC pour parler de ce qui nous concerne.
Le rapport mapping qui a été sorti par l'ONU le 1er octobre à New York a fait une étude sur la situation qui a prévalu en RDC de 1993 à 2003. Et cite un chiffre de plus de 5 millions de morts, mais ne met pas l'emphase sur le terme génocide, disant qu'il aurait eu, il y aurait eu génocide. Quelle est la position officielle des États-Unis à ce sujet? Parce que il y a eu le génocide Tutsi au Rwanda, qui a été reconnu, mais aujourd'hui, je crois que les chiffres qui ont été donnés n'émanent pas d'une enquête congolaise ou d'une enquête africaine, mais émanent de grandes institutions reconnues. Pourquoi l'Amérique ne condamne-t-elle pas encore ce fait-là? Je crois que selon ce que j'ai lu, l'Amérique soutient cette enquête et soutient qu'il y a un suivi. Il y a une longue histoire. Vous savez, la première enquête a été inaugurée par les États-Unis. Parce qu'après que Laurent Kabila s'est installé au pouvoir, il y avait toutes ces rumeurs qu'il y avait des massacres dans la région de Kisangani, surtout à Tingi-Tingi, et aussi même entre Kisangani et Mbandaka. Donc l'Amérique a demandé une enquête auprès des Nations Unies, Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité a autorisé, et ils ont envoyé quelqu'un qui s'appelait Garreton, qui est allé voir Laurent Kabila. Et Laurent Kabila ne voulait pas cette enquête, parce que la AFDL et le Rwanda étaient visés. Et à l'époque, dans cette année, Kabila et Rwanda étaient très proches, très amis. Donc il a fait tout pour faire des barrières à M. Garreton, qui quand même a écrit un rapport qui a condamné le Rwanda, n'est-ce pas? Mais comme il n'est pas allé à Kisangani, il ne pouvait pas vraiment avoir un bon rapport. Donc ça dormait. Après la guerre entre Rwanda et Laurent Kabila a changé d'avis. Il a dit aux Nations Unies, bon, venez maintenant terminer votre rapport. Mais les Nations Unies, le secrétaire général a dit, bon, c'est pas la peine, c'est fini, c'est l'ancienne histoire, ils n'ont rien fait. Donc c'était au secteur privé, les ONG qui ont décidé qu'il y avait vraiment quelque chose. Même moi qui est allé là-bas comme homme d'affaires, j'étais dans le grand hôtel, j'ai déjeuné avec des différents gens, surtout des militaires qui logeaient là, et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Et ils ont dit, c'est clair, tout le monde le sait. Demandez aux paysans qui habitent, des paysans congolais qui habitent dans cette sous-région. Les Rwandais sont venus chasser des Hutus qui refusaient de rentrer au Rwanda. Ils ont séparé les Hutus et les Congolais dans des villages et ils ont massacré les Rwandais et les Congolais. Ils n'ont pas touché. Tout le monde le sait, ils ont dit. Demandez aux paysans, va là-bas. Mais c'était seulement là. Mais maintenant, je crois que les États-Unis soutiennent ce rapport et demandent qu'il y ait un suivi, je crois. À ce propos de suivi, la déclaration du responsable du Dex Afrique aujourd'hui a été celle d'encourager le Congo à mettre sur pied ce qu'ils appellent des tribunaux mixtes. C'est-à-dire des tribunaux qui verront la participation des juristes congolais avec ceux qui peuvent venir de l'étranger. Mais nous ne comprenons pas comment, pour plus de 5 millions de morts, ce ne serait pas plus facile aujourd'hui d'organiser carrément un tribunal pénal international sur le Congo, qui aura peut-être un peu plus de moyens par rapport à la justice congolaise qui n'est pas réputée être la meilleure au monde, avec la corruption que vous connaissez, le Congo étant au top des 5 premières nations au monde. Ceci peut aisément nous amener à ce que la justice ne soit pas lue. Pourquoi l'Amérique n'encourage-t-elle pas, comme on a eu le cas de la Yougoslavie, comme on a eu le cas au Rwanda, de voir un tribunal pénal être instauré? C'est pas un problème congolais, ça. C'est un problème rwandais. Merci. Parce que ce que le rapport vise, c'est le gouvernement de Rwanda.
n'est-ce pas? Et maintenant, Rwanda, c'est l'enfant chéri de la communauté internationale. Sauf pendant les derniers mois, l'amour a commencé à baisser à cause de toutes ces histoires d'emprisonner les journalistes, emprisonner l'opposition qui voulait seulement être dans les élections, n'est-ce pas? Donc l'amour pour le Rwanda commence à baisser, mais quand même il y a une réticence à inculper le gouvernement de Rwanda et son président. Et ça, c'est le problème. Ce n'est pas un problème congolais, c'était des étrangers qui sont venus. S'il y avait un massacre, comme dit l'ONG, c'était le Rwanda qui était coupable et pas les Congolais. C'est le Rwanda qui était le coupable et pas les Congolais. Nous restons toujours dans cette région, dans l'est du Congo. Je voudrais... vous avez fait en fait une proposition. Après votre analyse, étant donné que vous avez été sur le terrain, une proposition à l'administration d'Obama, du président Obama, demandant à ce que un envoyé soit délégué auprès des responsables des deux pays en vue d'asseoir un partenariat économique qui permettrait à ce que les ressources minières situées tout au long de l'est du Congo soient... que l'on facilite l'accès en fait au Rwanda et autres pays de l'Est, l'accès à ces mines, et que le Congo en outre puisse, par contre, puisse avoir une politique tarifaire du point de vue, comment dire, taxes d'exportation, de manière à couper court en fait la raison première de la situation qui prévaut à l'Est du Congo, qui est en fait l'exploitation illégale des mines. Pourriez-vous nous en expliquer un peu plus? Oui, ce que j'ai dit dans cet article dans le New York Times, c'est qu'il faut légaliser ce qui existe, n'est-ce pas? Après l'invasion du Congo en 1998, n'est-ce pas? L'armée de Rwanda a occupé Kivu pendant combien d'années? 6-7 années, je crois. Quand ils ont occupé le Kivu, ils n'étaient pas là pour des vacances. Ils ont fait des choses, n'est-ce pas? Ils ont organisé l'économie des Kivu, surtout en faveur des hommes d'affaires rwandais. C'était normal, n'est-ce pas? Si vous contrôlez un endroit, vous faites des choses, vous faites du business, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait un réseau pour des mines, pour tous les minerais, surtout des minerais très importants comme le coltan. Le coltan, c'est nécessaire pour chaque téléphone portable dans le monde. Et il y a des milliards. Donc, c'est très important dans l'économie de tous les pays du monde. Donc, ils ont organisé ça, les hommes d'affaires rwandais contrôlaient tout ça. Donc, après la guerre, après la fin de l'occupation, avec les accords de Pretoria, n'est-ce pas? Il fallait continuer ces réseaux, n'est-ce pas? Donc il y avait toutes ces histoires de rébellion, de RCD, de différentes milices, etc. Tout ça a été en faveur d'une continuation des réseaux des hommes d'affaires de Rwanda, continuer. Donc ce que j'ai dit, et qu'est-ce qui gagne? Et le Congo ne gagne rien dans cette affaire si tout passe par Rwanda. Donc j'ai dit qu'il faut légaliser ce qui existe. Donc si vous légalisez le commerce de tous ces hommes d'affaires rwandais, vous allez prendre des revenus, des impôts, des royalties, etc. Et tout le monde va gagner, n'est-ce pas? Mais quand une réaction que j'ai eue des intellectuels du Congo, c'était: oh, vous ne voulez pas que nous gardions notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté de Kivu entre nous et le Rwanda. Mais ce n'est pas de tout ça. Le Rwanda déjà partage la souveraineté de Kivu. Et si vous parlez aux gens du département d'État, ils ont dit,
Kivu, ça fait partie du Rwanda maintenant. Il faut être réaliste, n'est-ce pas? Donc j'ai proposé un marché commun. Un marché commun où tout le monde peut gagner, le Congo peut gagner des impôts, et tout ça, des douanes, des frais de douane, etc. Et je crois que la réaction du côté du Rwanda a été plutôt favorable. Évidemment, je voudrais revenir un peu, parce que pour nos téléspectateurs, parce que c'est un problème d'aujourd'hui qui est d'acuité dans le collectif des Congolais, la balkanisation du Congo. Vous savez, quand le Soudan a fait son autodétermination avec le Sud, qui vient de faire son autodétermination, dans le collectif de plusieurs Congolais, ils se disent que le Kivu, et vous le dites si bien, le département d'État le voit déjà sous la coupole du Rwanda, que la prochaine étape, ce serait de voir une partie de l'Est du Congo être officiellement reconnue par la communauté internationale comme n'étant plus, ne faisant plus partie du Congo. Oh, je crois que la communauté internationale ne va pas faire ça, parce que l'Union africaine est contre toute sécession, tout partage, etc. Et ils ont accepté Éthiopie et Érythrée parce que le gouvernement d'Éthiopie était d'accord, n'est-ce pas? Et ils acceptent la sécession du sud du Soudan parce que le gouvernement du Soudan est d'accord. Mais si Kinshasa n'est pas d'accord, l'Union africaine va jamais accepter une balkanisation du Congo. Et à mon avis, ce sera une mauvaise chose. Parce que le potentiel du Congo est énorme. Avec une bonne gouvernance, le Congo peut devenir un des pays les plus riches du monde. Les accords de l'AFDL, qui aujourd'hui continuent au pouvoir avec Joseph Kabila, qui en est l'émanation, malgré la contestation de plusieurs qui disent qu'il ne serait pas le fils de l'autre, je ne sais pas ce que vous en pensez, font qu'il y aurait eu un article dans lequel l'AFDL à l'époque, avec son président feu, Laurent Désiré Kabila, aurait signé un accord avec le Rwanda, Paul Kagame en tête, pour accorder 300 km de terre du Congo au Rwanda, ce qui, pour la plupart des gens aujourd'hui, qu'ils utilisent comme argument pour dire évidemment des accords ont été signés. Et le gouvernement actuel étant une émanation, une prolongation de l'AFDL, c'est pour cela que nous constatons l'apathie, c'est-à-dire la non-mise en exécution de certains programmes pour effectivement redéclarer la souveraineté du Congo à l'Est. Qu'en pensez-vous? Bon, je ne suis pas au courant d'un accord. Si c'était un accord entre Laurent Kabila et président Kagame, ça doit être secret, n'est-ce pas? J'ai jamais entendu parler de ça. Je crois que c'est une question surtout des intérêts économiques, et le Rwanda a beaucoup d'intérêts économiques dans le Kivu. Et sans un accord de marché commun comme j'ai proposé, le Rwanda va trouver un moyen de continuer leur commerce pour leurs hommes d'affaires. Parce que qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Il n'y a pas grand-chose pour la production de richesses au Rwanda. Et il y a trop de monde au Rwanda. Donc, à mon avis, 50% du produit national brut du Rwanda vient du Congo, vient du Kivu. Et ça doit continuer pour la survie du Rwanda. Je comprends le Rwanda dans ça. Donc, ce n'est pas une question de légalité, de vraiment perdre le Kivu pour que ce soit dans le... Ça devient un parti de l'État de Rwanda. C'est une question de faire un accord visible, transparent, sur le commerce et sur les relations économiques. Cependant, les ONG qui travaillent dans le Kivu et à l'est du Congo parlent d'une grande... de l'arrivée massive, et cela d'une manière régulière, de certains réfugiés qui seraient partis au Rwanda. Mais pour la plupart de ces réfugiés, ils ont en commun une langue, le Kinyarwanda.
pour ces populations qui se trouvent à l'Est, ils se disent que le pays ou l'Est du Congo est en train d'être envahi. C'est l'implantation de nouveaux conquérants. Comme ils contrôlent déjà l'économie, maintenant ils sont en train de déverser par milliers d'autres personnes qui un jour, c'est ce que je vous ai dit, vont se déclarer ou demander une certaine autodétermination étant donné qu'ils s'estimeraient soit en danger ou ne verraient pas leurs droits respectés. Quelle est votre lecture? C'est pas impossible. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent, c'est un peu comme les Mexicains qui arrivent aux États-Unis. C'est presque impossible d'empêcher ce mouvement. On peut faire un mur, mais ça, comme on dit, si vous faites un mur de 10 mètres, les gens vont trouver une ladder. Les échelles. Une échelle de 25 mètres, n'est-ce pas? Donc c'est presque impossible, et c'est la même chose au Rwanda qui est surpeuplé. Et ils ont besoin de... Parce qu'il y a des jeunes gens qui n'ont pas de terre. Qu'est-ce qu'ils ont? Les familles sont tellement nombreuses. Il faut qu'ils aillent ailleurs. Et c'est la même chose pour Burundi, par exemple. Au Burundi, les gens vont en Tanzanie. Ils cherchent la terre en Tanzanie. À mon avis, Kinshasa doit faire une politique d'accueillir ces gens-là, mais pas dans le Kivu. Le Kivu, c'est pas possible. Parce qu'il y a trop de problèmes ethniques avec les anciennes Mwami, etc. Il faut trouver de la terre dans les autres endroits au Congo. Et un peu, et les Rwandais peuvent être utiles au Congo. Il y a des vastes terres, par exemple au Kasaï. Et les Hutus surtout sont des travailleurs. Ils peuvent faire des bonnes choses, mais pas au Kivu. Il faut qu'ils passent par le Kivu et aller dans les autres endroits. Mais on ne peut pas empêcher ce mouvement. C'est tout à fait normal quand les gens sont très pauvres. Il faut qu'ils trouvent un autre endroit. Il faut qu'ils trouvent un autre endroit. La problématique est toujours de mise. On peut revenir aux élections 2011, avant de parler de l'économie. 2011, il y a quelque temps, les autorités Kinshasa ont fait passer une loi légalement au niveau du Parlement, ramenant les deux tours à un tour. Ce qui, je ne sais pas si ça s'est déjà passé dans le monde, dans d'autres pays, c'est à voir. Mais qu'en pensez-vous? Comme j'ai dit tout à l'heure sur l'affaire de Gbagbo en Côte d'Ivoire, si un président sortant dans une élection ne veut pas perdre, il ne va pas perdre. Il va trouver tous les moyens de rester au pouvoir. J'ai vu cette histoire d'un seul tour au Kenya en 1992. Et ils ont créé beaucoup de partis politiques. Le président Arap Moi a financé des partis politiques. Et il a gagné l'élection avec 32%. Ce n'est pas vraiment un mandat de gouverner, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est ce qui se passe au Congo maintenant. J'ai été avec Mobutu en 90 avec le secrétaire d'État James Baker. Et il a parlé à Mobutu. Il a dit, Monsieur le Président, vous êtes notre ami, nous voudrions que vous restiez au pouvoir, mais il faut avoir une démocratie. Vous ne pouvez pas continuer un parti unique, répression, comme ça. Il faut faire une vraie démocratie. Et Mobutu a dit, oui, je vais le faire. Donc ce qu'il a fait, il dit, maintenant, parti multipartisme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé une fortune à créer des petits partis partout, n'est-ce pas? Comme ça, il ne pouvait pas perdre, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas perdre. Et c'est ce qui se passe maintenant au Congo. Toutes les partis, Kabila peut gagner avec 15%, n'est-ce pas? Et il va gagner, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la peine de se casser la tête, il va gagner. Mais est-ce que cela ne poserait déjà pas les fondements des troubles sociaux à venir? Parce qu'aujourd'hui, et les Congolais, comme tout le monde, voient les images de la Tunisie, de ce qu'il y a eu en Égypte et tout ça, est-ce que ceci ne risque pas de nous amener vers une situation que pour laquelle la communauté internationale peut nous prévenir? Parce qu'il y a une présence quand même, il y a la MONUC qui est là au Congo aujourd'hui, la MONUSCO.
20 000 militaires. Que préconisez-vous pour nous éviter un clash comme on a connu en 2006 de 2000 morts? Ce qui est important, c'est la bonne gouvernance. Ce que le Congo n'a pas vu jusque maintenant. Mm-hmm. Si Kabila et son entourage décident, nous allons avoir un gouvernement transparent, honnête, etc., il peut éviter le drame de Tunisie, d'Égypte ou de la Libye. Mais si c'est une continuation du statu quo, où il n'y a pas de bonne gouvernance, il faut voir des choses honnêtement, il n'y a pas de bonne gouvernance. Il y a un danger que les gens auront ras-le-bol. Je parle avec des ONG, des églises, des gens qui ont des missionnaires, tout ça. Ils disent qu'il y a beaucoup d'âmes volées dans la province d'Équateur qui est maintenant à Kinshasa, dans les maisons. Donc ça peut exploser un jour. Mais si Kabila fait la bonne gouvernance après l'élection, ou même avant l'élection, il peut éviter tous ces troubles. Comment le ferait-il? Parce que les rapports, lorsque nous suivons les rapports des ONG, il n'y a pas un effort. Plus près de nous, Floribert Chebeya, l'illustre responsable des droits de l'homme, a été tué. Il y a un jeune homme, Armand Tongolo, qui, après avoir lancé une pierre, son corps est introuvable. Et pour ce faire, d'ailleurs, la famille a à l'époque déposé une lettre à votre ambassadeur en Belgique, et pour laquelle il n'y a pas encore de suivi, parce que je suis en contact avec la famille. Le gouvernement actuel a montré autant de répression. Tout près de nous, nous avions vu, depuis le retour d'Étienne Tshisekedi, le fameux opposant qui a commencé sous Mobutu et qui aujourd'hui, à l'apogée, à plus de 75 ans, est en train d'essayer de pousser pour prendre le pouvoir, s'est vu refuser plus d'une fois l'accès à des sites pour ces manifestations, avec le membre de l'opposition. Et avant que nous soyons en campagne, nous voyons déjà une répression et une volonté mauvaise du gouvernement. Que faire pour prévenir? Et plus grave encore, attendez, je l'ai juste rajouté, une délégation de l'opposition s'est rendue auprès de la MONUC pour demander qu'elle, celle-ci, sécurise les candidats. Donc ceci nous démontre déjà, comme votre loi le dit, qu'un président qui est au pouvoir va toujours tout faire pour tricher, mais que faire pour empêcher ce que tout le monde voit, qui est un clash? Oui, moi je vis surtout après l'élection, parce que Kabila va gagner. C'est une question de quelqu'un, j'espère le président des États-Unis ou l'Union européenne, tous ces chefs-là, parlent franchement à Kabila, c'est qu'il faut faire du changement. Votre entourage, les gens autour de vous, sont en train de voler toutes les richesses du pays. Il faut se débarrasser de ces gens-là. Il faut avoir des gens bien autour de vous et faire une bonne gouvernance. Et si vous ne faites pas ça, regardez ce qui se passe en Libye, Tunisie, ça va arriver ici, c'est inévitable. Ça va arriver au Congo, c'est inévitable. C'est vrai que lorsque nous lisons sur Internet les échanges des Congolais et pas plus tard qu'hier, samedi 19, à Bruxelles, tout comme à Paris, beaucoup de Congolais sont sortis dans les rues revendiquant le départ immédiat du raïs Joseph Kabila au grand détriment de tous ces fanatiques. La présence chinoise, pour représenter les intérêts, nous avons grandi connaissant les États-Unis comme étant l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, mais depuis un certain temps, les Congolais, les Africains, voient un nouveau partenaire qui arrive, qui ne fait pas attention aux règles, aux droits de l'homme, et qui utilise un terme nouveau, win-win situation, alors que, en fait, lorsqu'on gratte, on se rend compte que ce n'est pas vraiment cela. Comment voyez-vous la présence chinoise? Je vois la présence chinoise en Afrique, il y a un bon côté, bon côté, il y a un mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'ils amènent de l'argent, et ils achètent des choses, ils emploient des ouvriers, ils créent des barrages, ils créent
des industries, etc. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi pas? Mais il y a un mauvais côté aussi. Le mauvais côté, c'est que, par exemple, ils traitent des ouvriers africains de la même manière qu'ils traitent des ouvriers chinois, c'est-à-dire horrible, n'est-ce pas? Si vous allez en Chine pour voir les simples ouvriers, ils habitent dans des taudis terribles. C'est mauvais. Et les Chinois disent, nous traitons les Africains comme nous traitons notre propre peuple. C'est mauvais. Et vous voyez beaucoup de pays maintenant où les ouvriers sont fâchés et ça fait des problèmes sociaux, n'est-ce pas? Et aussi, ils amènent avec eux, quand ils arrivent pour faire des affaires, pour organiser des industries ou des barrages, ils amènent aussi des petits commerçants. Et le petit commerçant achète seulement en Chine. Et toutes les industries qui existent en Afrique commencent à tomber parce que la concurrence est impossible. Regardez surtout le Nigeria, les industries de textile, de vêtements, etc. C'est fini parce qu'il y a... Donc je dis aux Africains, il faut contrôler tout ça. Il ne faut pas rester... apathique, et tout ce qui arrive, ça arrive. Il faut, et il y a certains pays qui commencent à faire ça, l'Éthiopie. Si vous faites un projet chez nous, maximum 10% des Chinois, le reste, il faut trouver le personnel chez nous. Mais dans d'autres pays, non. Et aussi, il faut empêcher l'arrivée des petits commerçants. On n'a pas besoin de ces gens-là. Donc, comme j'ai dit, il y a un bon côté et un mauvais côté. Mais c'est aux Africains de contrôler le mauvais côté, n'est-ce pas? Vous savez, souvent la main, comme on dit chez nous, la main qui prête, c'est celle qui s'impose. Vous voyez vraiment ces pays africains-là, aujourd'hui, parce qu'ils ont des besoins immédiats et compte tenu de la corruption qui caractérise leur gouvernance, la Chine, c'est un peu la poule aux œufs d'or, c'est le partenaire. Mais les Chinois, ils ont besoin des matières premières. Ils sont voraces. Si vous produisez une matière première, là, les Chinois achètent. Tout. Donc, ils ont tellement besoin, vous contrôlez les petits commerçants, vous insistez sur 10% maximum d'ouvriers chinois, ils vont accepter. Tant qu'ils peuvent avoir accès aux matières premières. Les États-Unis d'Afrique. Bonne, mauvaise chose, possible, impossible, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je crois que c'est impossible. Ce qui est possible et qui va donner beaucoup de bénéfices sont des unifications des sous-régions, n'est-ce pas? Par exemple, ce que les gens font en Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi, pour faire un marché commun. Ça peut marcher, parce que ça peut augmenter la production de richesses, donner du travail, laisser les gens transférer, changer de résidence, etc., comme ils ont fait en Europe. Et le CDAO, c'est la même chose. Et la meilleure intégration en Afrique sont les anciennes colonies françaises qui ont le CFA. Et en Afrique de l'Ouest, vous avez 7 pays, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina, Niger, Sénégal, etc. Et la même monnaie, il y a un commerce libre. Ça peut marcher, mais parler d'une Union africaine, États-Unis d'Afrique, c'est pas possible parce que les cultures sont tellement différentes, les ethnies, etc. Et c'est impossible de gouverner une entité comme ça. Peut-être dans 100 ans, 200 ans, ce sera possible. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas utile. Ce qui compte, c'est l'intégration des sous-régions. Comme ils ont fait en Afrique du Sud, par exemple, Afrique du Sud, Swaziland, Botswana, Namibie, Lesotho, ça marche tellement bien, c'est formidable. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons ce soir sur le plateau M. Herman Cohen, avec lequel nous avons commencé à parler de l'Afrique et plus particulièrement du Congo. Excellence, il y a eu la CPGR, la communauté des pays du Grand Lac, à l'époque, sous Mobutu, avec le président Bialimana au Rwanda. Mais aujourd'hui, croyez-vous que la relance de cette entité, la sous-région, peut-elle amener la paix en Afrique centrale,
du moins à l'est du Congo, et avoir une meilleure également collaboration du point de vue des échanges des peuples, meilleur contrôle de qui se trouve où et qui fait quoi, et surtout économiquement, avoir une situation de win-win, malgré qu'aujourd'hui les rapports de force ont changé. Le chouchou de l'Afrique centrale n'est plus le Congo, mais Kagame, malgré son petit pays. Comment entrevoyez-vous ça? Non, je crois que, comme j'ai dit dans mon article dans le New York Times, un marché commun des Grands Lacs, ce serait une très bonne chose. C'est presque nécessaire pour avoir la paix dans l'est du Congo, parce que la lutte pour les matières premières dans l'est du Congo, c'est pas nécessaire. Il faut, si vous avez un marché commun, tout le monde aura accès et tout le monde va payer des impôts, des droits de douane, etc. Donc il faut le faire. Maintenant, Burundi est plus ou moins stable. Burundi peut faire partie de ça. Je vois pas une alternative. Nous tendons vers la fin de cette émission, Excellence. Si vous devez parler aux 75 millions de Congolais, ainsi qu'à leurs responsables, que leur diriez-vous du fond du cœur, de l'expérience que vous avez, que pourriez-vous dire à ceux qui vous suivent? Le message principal, c'est qu'il ne faut plus accepter la mauvaise gouvernance dans votre pays. Ça a duré jusqu'en 1960. Bien sûr, il y a des raisons historiques. Les Belges n'ont pas préparé le pays. Mais ça, c'est dans le passé. Maintenant, le Congo a beaucoup de gens qualifiés pour vraiment gérer le pays. Malheureusement, il y en a trop qui vivent à l'extérieur. Mais il ne faut pas accepter une mauvaise gouvernance. Il faut insister. Et je crois que si vous insistez, le gouvernement va suivre. Chers téléspectateurs, si vous insistez, le gouvernement va suivre. Tout ce que Code 243 vous demandera de faire, c'est de mettre cela en pratique. Nous allons toujours être là à vos côtés, vous amenant sur ce plateau des hommes compétents, qualifiés, expérimentés, qui vont faire l'analyse de la situation qui prévaut et donner des pistes de solutions. Il faut pousser, oui, il y a des élections qui arrivent. Il faut pousser, oui, il y a des exemples de nos frères tunisiens et autres égyptiens. C'est à nous, Congolais, de définir ce qui est le mieux pour nous. Car comme l'a dit le président Barack Obama, n'attendons pas que le monde écrive notre histoire, mais nous devons écrire cette histoire de nous-mêmes. C'était ce soir Code 243 avec M. Herman Cohen. Excellence, en tout cas, merci d'avoir répondu présent malgré vos nombreuses occupations. Et à vous qui nous suivez, bonsoir chez vous. Au revoir. Au revoir.